Allez, on termine ce journal rapidement avec une pointe d'humour et une rencontre avec Coé ce week-end. L'animateur de radio et humoriste était à Lille samedi pour y jouer son spectacle. Et Coé est d'abord passé par le Furet du Nord pour y présenter une émission spéciale d'une heure en direct sur NRJ Lille. Et devant un public nombreux, il a parlé de son spectacle Picard Forever qu'il jouait donc le soir même à Lille. Coé était visiblement très heureux de présenter son spectacle dans cette ville. Un spectacle qui devrait d'ailleurs parler aux nordistes, aux habitants de la région. Comme il l'a expliqué à notre reporter ce week-end, Julie Sico, on écoute Coé sur Grand Lille TV. Il y a des petites villes où on a un petit pincement au cœur supplémentaire et Lille en fait partie. Je commence le spectacle en parlant de la Picardie, puisque tout le spectacle ne parle pas de ça, mais j'en parle au début, obligatoirement. Et les Picards et les gens du Nord, on est quand même très cousins quand même. On mange les mêmes choses, globalement on a le même climat. Hein. Donc il y a plein de trucs qui sont très très proches. Donc je pense que je vais parler de quelques petits trucs dans le spectacle qui vont parler aux gens de Lille. Marquez, c'est bien, c'est que ça a fait marrer les gens de Bordeaux, les gens de Lyon, les gens de Marseille. Donc je pense qu'ici ça devrait parler beaucoup. Oui.